Arrivé au terme de cette cérémonie de signature du contrat du sélectionneur national de football masculin A, et je voudrais aussi dire quelque chose d'important. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous a dit lors de son discours du 8 août dernier que nous devons aller plus loin, plus vite, plus fort. Plus loin, plus vite, plus fort. Arrivé à la tête de ce ministère, notamment en charge des sports, et c'est vrai que j'ai trouvé une situation du football gabonais chaotique, mais je m'appuierai sur une maxime qui nous dit Ordo ab Kao. Ordo ab Kao veut dire l'ordre naît du désordre. C'est vrai que, comme l'a si bien dit le président de la FEGAFOOT, que nous sommes une nation respectée, mais de par les potentialités de nos joueurs, pas de nos résultats, de par les potentialités de nos joueurs, nous devons maintenant transformer ces potentialités en résultats. Et ça va être le but de ce management sportif de haut niveau qu'avec le sélectionneur, le président de la FEGAFOOT et le directeur général de l'Office, nous allons mettre en place. Et bien sûr, toute l'équipe technique du ministère des Sports. Bien évidemment, des ambitions, j'en ai pour le football gabonais. Oui, il y a l'objectif principal de qualifier les Panthères à la CAN 2021. Mais il y a une deuxième ambition. C'est que si par la grâce de Dieu nous sommes effectivement qualifiés, et je sais que nous serons qualifiés à la CAN 2021, bien l'objectif sera aussi de dépasser les quarts de finale. Les quarts de finale qui constituent pour les Panthères du Gabon un plafond de verre que nous devons dépasser. Après la suite, seul Dieu sait. Le troisième objectif, c'est que avec cette manière intercalée CAN Coupe du Monde, eh bien nous allons avoir pratiquement en même temps que la phase éliminatoire de la CAN, nous allons aussi jouer la phase éliminatoire de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Si notre management sportif de haut niveau effectivement se déroule comme je l'ambitionne, eh bien, je prends aussi le pari et l'ambition que nous qualifions les Panthères pour la première fois à la Coupe du Monde FIFA 2022. C'est une ambition très élevée. J'en mesure la difficulté. Mais si le Togo a pu aller à la Coupe du Monde en 2006, l'Angola en 2006, des pays de l'Afrique noire, pourquoi pas le Gabon? Je crois qu'aujourd'hui, nous avons les potentialités de haut niveau parmi les joueurs des Panthères pour pouvoir réaliser cet objectif qui, je crois, permettrait effectivement de fédérer tout le peuple gabonais derrière les Panthères. C'est ce que j'appelle de mes voeux les plus profonds. Que tout le monde se remette derrière les Panthères, l'union sacrée, pour qu'on puisse se qualifier à la CAN 2021 et bien évidemment se qualifier à la Coupe du Monde 2022. C'est un challenge de haut niveau. Je sais, beaucoup vont en sourire en disant qu'ils n'ont pas été capables de se qualifier à la CAN 2019, mais je vous le dis, Ordo ab Kao. Et vous savez que tout n'est qu'une question de cycle, et je suis confiant et je sais que les joueurs gabonais peuvent relever ce défi de qualification à la CAN 2021 et de qualification à la Coupe du Monde 2022. Je vous remercie.